Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. We're all going live, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Quoi? La tétine. Non mais regarde la tétine. Attendez, on arrange quelque chose. Voilà. Vous avez rien vu. Et là, tu reçois un email. Nous avons fait un partenariat. Alors, mes poussins, j'ai été super ravie d'avoir des mini-réactions courtes de deux personnes. Malheureusement, c'était lorsque je filmais pas, et dès que je filmais, rien, uniquement des félicitations ou des sourires, etc. Et la plupart du temps, dès que la personne disait félicitations, elle ne s'arrêtait pas, en fait. Elle disait ça en continuant de marcher, et donc je ne pouvais pas forcément dire quoi que ce soit. Donc voilà. Du coup, il y avait juste deux réactions dont je vais vous citer maintenant. La première réaction de la personne que j'ai eue et que j'ai beaucoup aimée, c'est une caissière, lorsqu'on a été prendre notre repas, qui a vu Alicia et qui a souri en disant « elle est trop chou » avec un grand sourire. Et moi, j'ai simplement répondu que c'était une poupée et non pas un vrai bébé. Et là, elle m'a souri en disant « ah, mais c'est pas les fameuses poupées ». Elle essayait de chercher un petit peu si elle se rappelait. Et moi, je lui ai fait un retour en lui disant « oui, les poupées Reborn ». Et là, elle a souri, elle a dit « oui, voilà, c'est ça ». Donc, elle a dit ensuite que c'était très beau, que c'est impressionnant. Je me suis avancée avec la poussette près d'elle pour qu'elle voyait un petit peu mieux. Et elle souriait et elle disait « waouh, c'est vraiment c'est magnifique » et tout ça. Et du coup, j'ai dit « oui, je suis artiste reborneuse et tout ». J'ai un peu expliqué les choses. Et elle dit « ah, c'est vous qui avez fait, bah, c'est très beau, bravo, franchement, beau travail ». Voilà, après, elle a plus dit grand-chose, en fait. Donc la première réaction m'a beaucoup plu, j'étais contente. Après, j'ai mon père, au passage, qui était avec moi ce jour-là aussi, qui a, pour rigoler, il a dit à la dame « attention, elle mord ». Donc... c'était bien rigolo, mais bon, elle a pris avec humour, donc voilà. Mais c'était assez sympa, et la réaction de cette personne, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà.
Maintenant, la deuxième réaction d'une autre dame. Cette dame avait un certain âge, un peu plus âgée du coup que la caissière. Et en fait, je m'étais arrêtée dans une chocolaterie avec ma famille et tout ça. Et on s'était arrêté là-bas. Et du coup, la dame passait par là et elle s'est arrêtée d'un coup et elle est venue vers moi. Elle a fait « Oh, mais qu'elle est belle !» Et puis elle m'a posé la question « C'est un vrai ?» Et moi, je lui ai simplement souri et je lui ai dit « Non, non, c'est un bébé reborn. » Et elle m'a dit « Ah oui, oui, je connais, j'adore, c'est trop beau. » Puis après, elle m'a demandé si c'était moi qui faisais la poupée. Je lui ai dit « Oui, oui, je suis artiste reborneuse. » Et puis j'explique un peu tout comme j'ai fait pour la caissière. Et elle était toujours avec un grand sourire en disant « Oui, bravo, ben, c'est franchement, waouh, c'est impressionnant. » Mais franchement, j'adore ça, c'est trop beau. Et elle était vraiment en extase devant, avec un grand sourire. Et très gentille, j'ai adoré cette dame parce qu'elle dégageait vraiment une bonne humeur de fou. Franchement, des gens comme ça, si on peut en rencontrer tous les jours, ça fait trop plaisir, quoi. Donc voilà les deux réactions que j'ai eues. Malheureusement, j'en ai pas eu beaucoup à part les deux là. Et en plus, c'était hors vidéo, comme je vous ai dit. Mais bon. Ma foi, la vie est comme ça, hein. On peut pas choisir, voilà, c'est des fois fait exprès en plus, donc voilà. But I don't want to be stuck in a minivan. The 401k plan and picket fences out on the lawn. Deep suburbia. You sure know how to cut a rug. But if you're looking for a cuddle bug, I'm not quite ready. I just wanted to dance. I just wanted to dance. You're standing there like a statue, so I decided to ask you, do you want to dance? And then you took my hand. Alors, je tenais à vous faire une petite information concernant ce passage de vidéo par rapport au linge sur la poussette d'un bébé. Je suis obligée de vous le dire parce que j'en vois tellement que si vous êtes parent et que vous passez sur ma vidéo, voilà, je préfère l'informer. Donc, il s'agit de placer un linge sur la poussette d'un bébé en été et surtout en pleine canicule, qu'une habitude que tout parent peut avoir, enfin, une grande majorité d'ailleurs. Alors, je vous explique.
Beaucoup de pédiatres confirment qu'il est très dangereux de mettre un linge sur la poussette en été et surtout en pleine canicule. Ils expliquent aussi que dès qu'on ajoute ce linge en tissu, il se met à faire très chaud dans la poussette. En fait, un peu comme un thermos en fait, dans un thermos. Vous imaginez un peu un thermos, c'est pareil. En plus de ça, la circulation de l'air est très mauvaise pour le bébé ou l'enfant. Donc, des journalistes ont fait le test sans le bébé bien sûr, hein, juste la poussette vide, mais juste en mettant le linge sur la poussette pour voir le degré de chaleur à l'intérieur quelques heures après, quelques minutes après. Donc, une heure et demie plus tard, déjà, la température de la poussette recouverte s'élevait à 37 degrés, alors qu'en dehors de la poussette, il ne faisait que 22 degrés. Une énorme différence de degrés, on le voit bien. Donc il y a près de 15 degrés plus ou moins de différence. Donc ça a augmenté de 15 degrés dans la poussette, ce qui est quand même assez haut. Donc imaginez une petite seconde s'il fait entre 28 et 40 degrés, donc en période de canicule comme à l'heure actuelle, cela donnerait un record entre 43 et 55 degrés à l'intérieur d'une poussette recouverte de ce tissu. Ce qui est énorme. Donc toujours on reste dans les 15-20 degrés supplémentaires dans la poussette. Ce qui est pas bien parce que le bébé peut faire une sorte d'insolation, il peut se choper plein de choses qui sont mauvaises pour lui en fait. Donc voilà, donc ne faites surtout pas, s'il vous plaît, si vous êtes parent et que vous tombez sur ma vidéo, que vous voyez ça et que vous écoutez, ne faites surtout pas ça. Je vois tellement dans les rues, lors de ma balade, j'en voyais tellement des parents faire ça avec des vrais bébés en plus, hein, des enfants même, des petits de 2-3 ans dans leur poussette, avec ce genre de linge. Si c'est pour cacher votre bébé lorsqu'il dort, pour le laisser tranquille, et que vous êtes dans un centre commercial, dans un endroit très frais comme les cafés ou les... Vraiment, il faut que ça soit frais. Il n'y a pas de problème, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Mais pas en plein soleil ou en pleine canicule, parce que c'est pas du tout possible. Vous pensez peut-être bien faire en cachant et en protégeant votre enfant ou votre bébé, mais en fait vous faites tout le contraire. Moi, là, c'est une poupée, donc on s'en fout. Mais si je veux jouer la carte du vrai bébé jusqu'au bout, avant de dire bien sûr que c'est un faux, il faut que je fasse les choses, les bonnes choses aussi, en fait. Donc, c'est pour ça que dans la vidéo, à la fin, je l'ai retiré. Et puis, en même temps, il y avait aussi pas mal de vent, donc ça servait pas à grand-chose. Donc, j'ai juste recouvert un petit peu. Sachant aussi que les poupées reborn, il faut faire très attention au soleil, parce que si vous laissez du soleil arriver sur le vinyle, ça peut, à force, au fil du temps, jaunir le vinyle, en fait. Donc, il y a aussi ça qui joue un rôle, qu'on peut essayer de faire attention pour la poupée, en fait. Donc, voilà. Mais, en aucun cas, il faut mettre un linge, une couverture, ce que vous voulez, sur la poussette. Il y a plein de choses qui existent pour ça, comme des parasols, les sortes de parasols que vous mettez sur les poussettes, ou alors des trucs à élastique mais qui laissent rentrer l'air dedans. Donc achetez ça à la place ou ne mettez rien, tout simplement. Vraiment, s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est vraiment, même pour vos reborn, même si vous voulez jouer la carte du vrai bébé comme moi, essayez de faire les bonnes choses aussi. Donc faites très 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 attention. More than scorn or ridicule, you're scared to fly in the endless sky when the voices say that there's no way you'll ever make the grade. Let's say you try. When the sun is set, will you regret the fall or the times you did nothing at all? Here's one for magic that lives within. Foreseeing beauty in the commonest of things. Here's one for passion.
restraint. To those who stumble to the ground and feel no shame. You're scared to fly in the endless sky when the voices say that there's no way you'll ever make the grade. They say you try and you fall from high. When the sun is set, will you regret the fall? The times you did nothing at all. Failure's always an option. Bon, vas-y, dépêche. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. La prochaine fois pour la vidéo réaction, je pense que je prendrai mon appareil de filmage, celui que j'utilise pour mes vidéos de base, et non pas mon smartphone, pour être sûr de pouvoir tout vous filmer, chaque séquence, quitte à faire un plus long montage après, mais chaque séquence, parce que je vois qu'avec le smartphone c'est très compliqué, surtout au niveau de la batterie pardon, qui pompe très très vite, plus vite que la caméra de base, donc je pense que ce sera mieux d'utiliser cette caméra pour être sûr d'avoir chaque réaction et ne rien perdre pour vous. Donc voilà, je vous ferai ça pour le mois prochain, promis. En attendant, je vous laisse. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye! You're safe in here inside these insulated